Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Babozor, développement web et innovation collaborative, et le Shop du Barbu, des objets uniques pour des gens uniques. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, il y a Renaud qui est avec nous. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire la Grotte du Barbu, donc c'est épisode 119. Et comment que c'est dit quoi? Ah oui, c'est String Show. String Show. C'est le String Show. C'est le String Show. C'est le String Show. C'est parti, bordel de merde. String Show. Pourquoi String Show? Parce que fil chaud. Fil chaud, pourquoi? Pour couper du polystyrène. Parce que couper du polystyrène, c'est rigolo. Et on va faire ça comment? Avec un fil que tu as là, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fil? Alors, ce fil, c'est un fil de la marque Proxon. Tu peux écrire. Proxon. Ouais. Vas-y. P-R-O-2-X-O-N. Ah. P-R-O-2-X-O-N. Ouais. Et ça se trouve sur Conrad. Ok, je vais l'écrire un tout petit. Ouais, parce que... Voilà. Chez Conrad. Voilà, c'est un fil de remplacement pour une machine qui vend. Mais on mettra un lien. Voilà, et c'est un fil résistif, c'est-à-dire que si on fait passer du courant dedans, il va chauffer. Il va chauffer, et donc comme un fil à couper le beurre, on va couper le polystyrène. Mais sauf que c'est un fil à couper le beurre qui chauffe. C'est un fil à couper le beurre qui chauffe, donc faut pas mettre les doigts dessus une fois qu'il chauffe. Et alors toi, tu as un méga spécialiste de ça, moi j'y connais rien. Et en plus tu as une machine CNC quand même, qu'on fera une démo à la fin, vous verrez, c'est quand même carrément trop classe. Mais moi ce que j'aimerais, parce que j'aime bien faire des trucs un peu massifs, c'est que j'aimerais bien me faire un peu comme une scie à ruban, mais avec un fil chaud. Je vais t'expliquer, voilà. Je vais t'expliquer un peu le principe. Ce que j'aimerais, c'est... Putain, mais il me résiste ce connard. Faire une surface plane sur laquelle je vais manuellement faire bouger mon truc à découper. Ouais, avec un petit trou au milieu. Oui. Avec mon fil chaud, que même qu'il est chaud. Vas-y. Et avec un arbre qui vienne comme ouais, ça. Une potence, ouais. Voilà, un truc comme ça. Et puis, tu vois, un truc pour qu'il tienne et qu'il se casse pas la figure. Donc pour ça, on va avoir besoin du fil, ouais. On va avoir besoin d'un peu de bois pour le truc, et puis des machins pour le cadre. Ouais. J'ai aucune idée de comment faire ça, mais on va essayer de trouver une solution. Une alors moi, je crois que c'est le dernier bout de MDF à peu près, pas trop pourri qui me reste. Faut que je le coupe, on va le couper dimension, qu'on a besoin, mais tu vois, ça me paraît une bonne plaque pour commencer, commencer le truc. En fait, ce qu'il faudrait déjà, c'est mettre. Ouais, on va. Tiens, qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? Une cale pour le mettre. On fait un trou. Et puis on. Parce que de toute façon, la partie en dessous, on s'en fiche. Donc on peut. On peut fixer même le fil. On peut même fixer carrément le fil à au plateau. Et puis le tendre seulement au niveau de la potence. Tu vois. C'est-à-dire de faire un truc en acier que je viens mettre ici. Ouais, mais... Acier, je veux de l'acier. Ça nous fera l'isolation. Donc voilà. C'est nickel. Non, mais même c'est ça. En fait, voilà, regarde. Il faut que je trouve un autre bout de bois comme ça. Bah ouais, on fait un trou. On fait un trou, on met ici une vis avec notre fil électrique. Okay. On branche le fil là. Okay. Et après, on sort de l'autre côté. Et on fait des on fait un truc. Ouais, on fait une potence acier là, on se fixe au bout. Et après, au niveau de la lime, par contre, on va faire des essais pour voir donc, en gros, ce qu'on a. Ce qu'on a besoin. On a besoin de bois, on va avoir besoin d'acier, du fil Proxon tralali tralala. On va avoir besoin aussi d'une alim, on va essayer de voir dans les alim qu'on a, on en a plein, si on va pas pouvoir réussir à trouver un truc qui va. Et puis des trucs pour le brancher sur le courant et puis, puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Alors non, moi j'ai parce que ma première piste, c'était les mecs qui disaient tu prends une alim 12 volts 1,5 ampères avec la deuxième corde de la guitare, c'est-à-dire le Ré. Ouais. Celle-ci. Il disait tu le branches et ça marche, sauf que au bout de 20 secondes ça devient tout rouge, donc tu l'éteins et tu le remets. Alors ça c'était la méthode prolo, mais vu que j'ai un professionnel avec moi, hein, bordel de merde, on va faire ça correctement. Après tu peux
On peut utiliser aussi un chargeur de voiture, par exemple, pour faire l'alimentation, pour servir d'alimentation. Mais effectivement, il y a le problème du réglage. Donc là, ce qu'on va faire, on va tricher un peu. On va essayer de trouver la bonne alimentation et la bonne longueur de fil pour avoir le. De toute façon, alors moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir découper, tu vois, une vingtaine de centimètres. Ce qui me paraît raisonnable. Pour de toute façon, si ça dépasse 20 cm, on fait 2 fois 20 cm, puis on les colle, et puis voilà quoi. Bois, acier, perçage. Sarasse, c'est parti. On va collecter toutes les affaires qu'on a besoin et on y va. Tout d'abord, pour créer la potence de notre machine, je coupe 3 morceaux de profilé en acier de 25 mm. Je les ébavure. Je perce les deux points de montage et je les soude. Je me trompe de sens en les soudant, et donc je rectifie mon erreur à grands coups de Dremel dans sa tronche. Pour pouvoir le ressouder dans le sens, dans le bon sens, et finir par un petit nettoyage de soudure. Je prends ma base de MDF qui provient d'un projet précédent, un peu de colle à bois, quelques clous pour maintenir le tout en place. Je marque l'endroit où je vais faire un trou, pour faire passer le fil chaud. Et je perce la base. Quelques vis pour fixer la potence. Petit nettoyage. Et le tour est joué. Bon, alors, où que c'est-il qu'on en est ? Maintenant, on a notre base. On a soudé, après avoir fait quelques bêtises, de l'acier. On l'a fixé. Et maintenant, on va s'apprêter à faire passer le fil. Le fil dedans. Donc, en gros, le principe, oui, j'ai vu, mais. Fil à l'intérieur. Ouais, on va le fixer ici, fixer là. On va déjà le faire. Tiens. On va déjà peut-être couper la longueur. Non, la longueur. Donc, attends, on va faire comme ça. Hop. Vas-y. On va glisser dedans. Pour avoir la bonne longueur. Hop. Je prends. T'as du mal. T'as du mal à viser. Ouais, j'ai du mal à viser. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de pas tout entortiller. Et alors, ce qu'on va faire, tu vois, on va pas s'embêter en haut. On va juste faire... Tiens, t'as une scie à métaux ? Oui, j'ai des scies à métaux. Tu veux une lame de scie à métaux ? Ici, une scie à métaux ou une lame. Voilà, une lame de scie à métaux. Une lame, c'est juste pour faire... Et une petite encoche. Ouais, une petite encoche pour pas qu'il glisse. En fait. Vas-y, lâche. Non, c'est bon. Musica! Ça, ouais, c'est déjà pas mal. Il faut quand même que je rajoute un truc ici. Ouais. C'est pas grave. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est une alimentation électrique et deux fils qui peuvent véhiculer du 220. On commence donc notre quête d'une alimentation valide par une vieille ligne Xbox. Fail. On passe donc à une allume de passé en raccordant le fil vert à la masse qui correspond au port au ON. On se connecte au fil jaune pour avoir du 12 volts. Ensuite, on relie le 12 volts à une extrémité du fil résistif et la masse à l'autre bout. À la barbare. Un peu plus large. Juste comme ça. Et voir ce que ça donne. Déjà voir ce que ça donne. Et puis si tu veux, j'ai des chutes de polystyrène. Voilà. On n'est pas censé encore avoir fait. Alors. Mais si, mais si, c'est bon, de toute façon. C'est pas grave. Est-ce que tu es prêt ? Allez, donc si tu vois qu'il rougit, t'éteins tout de suite. Déjà, on va contrôler qu'on est à 12 volts. Qu'on est alimenté. Parce que j'en suis pas sûr. En même temps, c'est un truc de récup, quoi. Peut-être que la lime est morte. Hein.
Ouais, ou on l'a pas chargé, je te dis. Ouais, vous l'avez chanté, mais est-ce qu'on l'a chargé? Non, il y a peut-être... J'ai zéro. Après quelques secondes de fonctionnement, la ligne nous lâche, sans raison apparente. On retente donc avec une autre alim. Voilà pourquoi je récupère et stocke des alims de PC en masse dans la grotte. Il a aussi pas de chance. L'alim est morte. On tombe donc avec notre troisième alim en espérant que celle-ci marche. Eh ben non, impossible de trouver les bonnes couleurs de câbles. Donc au suivant, un petit coup de Balthazar, raccordement. Ensuite, on va tester. Et enfin, branchement sur notre découpeur pour voir si ça marche. Alors, on pourra toujours améliorer la connexion électrique. Ouais, on pourra faire ça après. Si ça fonctionne correctement. Feu. Ouais, vas-y. Bon, il chauffe, ah, il rougit pas, il cramouille un peu. Ouais, il chauffe nettement plus, donc ça va être bien mieux pour le synchro. Ouais. Synchro du son. C'est carrément bien. Voilà, là on n'est pas mauvais. Faut savoir que ce fil Proxone là. On peut arriver à le faire rougir et il casse pas. Il se pète pas. Ouais, alors tu peux encore descendre un coup. Tiens, débranche un coup, on va descendre encore un peu. Par contre, ça fouette un peu. Ah bah, il faut... C'est du plastique fondu. Il faut ventiler, hein. Le plastique, c'est fantastique, mais il faut ventiler. Hein. Donc... Vas-y, on met la sauce. Ah là, on est carrément bien. Faut savoir que dans du styro, comme ça, faut pas espérer aller à plus de 6 mm par seconde. Je sais. Ah non, c'est bien. Ouais. Eh ben, c'est mortel en fait. C'est carrément mortel. Alors ça c'est bien, on le fait à la main, mais ce qu'il faut aussi c'est de le faire piloter par un ordinateur. Voilà, alors on va faire ça tout de suite maintenant, mais on va relever d'abord un peu... Et puis ouais, on va mettre une... En tout cas, moi je dis c'est du super win bordel de merde. Et ça marche. Non, et là, évidemment, ça marche pas, et oui. Je l'ai éteint. La bonne vanne. Voilà. Eh ben, on range le bordel et à tout de suite pour un truc qui va vous démonter les orteils. Tu vas nous faire une petite démo de ta machine, non ? Mais voilà, donc... Comment que c'est-il que ça marche ? Donc t'as la machine, ouais. T'as un PC... Et un logiciel, et c'est relié par un port USB. Ok. Il y a une petite alim de PC 12 volts qui alimente la machine, et pour l'instant elle est pliée. Donc c'est la mini cut 2D... Ça se cache à ranger, je dévisse, je desserre un peu, on déplie. Je remonte, voilà. Pif paf pouf. Pif paf pouf. On remet les vis dans les autres trous. Alors évidemment, évidemment c'est... Je pourrais faire des blagues vaseuses, mais je ne vais pas le faire. Garde-les, les blagues vaseuses. Complètement. Alors voilà. Le principe, donc c'est une machine de découpe par fil chaud, mais celle-là, elle est pilotée par ordinateur, ce qui permet de faire des formes compliquées. Et, comme ça. Voilà, bah, par exemple, un petit exemple de ce qui a été découpé avec.
Il me l'a démonté déjà. Ouais. Mais je te l'ai dit, il me faut des trucs solides. Alors, ça découpe pas l'acier, donc je suis désolé, ça découpe pas l'acier. Donc ici, on a un fil à couper le beurre numérique, hein, en quelque sorte, il va chauffer. Et en fait, c'est simple, il y a une vis ici, on voit la tige filetée, il y en a deux autres ici. Ça va déplacer les chariots. Et tout ça, ça va bouger tout seul. Donc en gros, tu as l'axe X ici qui va bouger. Voilà, le plateau va bouger. Tu as le plateau et tu as l'axe Z où il y a le fil qui bouge aussi. Ouais, okay. Complètement. Ça marche. J'ai fait un petit logiciel, je le lance à l'écran. Là, c'est pour une petite démo, donc on va écrire la barbitude. Allez, la barbitude. Je double-clique sur les lettres, elles viennent toutes seules en bas. Bon, sinon, avec entrée et j'ai 280 mm de long. Donc mon bloc il apparaît à l'écran, je vais zoomer un peu, tac. Et là on voit la découpe. On voit qu'on est dedans, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le centrer un peu, je vais le prendre, je vais le bouger. Et puis il se trouve que ça tombe pile poil, donc sinon j'aurai l'outil d'étirement qui me permettrait de le mettre à la porte. Les yeux s'écoulent, la France tranquille, d'un soldat Playmobil qui en s'y trouve. Les yeux s'écoulent. Fini, non ? Ici, il fait quoi ? Il se remet en place ? Donc voilà, là il revient à zéro, on peut déjà le fil est enlevé, donc on peut déjà récupérer nos découpes. Et voilà, là le fil est encore chaud, donc faut pas le toucher, parce qu'on peut se brûler. Donc ici, vas-y, récupère l'autre. On a juste une petite découpe à faire au bout pour finir ça proprement. Et on sort l'intérieur des lettres aussi. Hop. Tu me demandes ça à moi, tu vois, je vais tout ruiner, quoi. Bah, c'est pour ça que j'en ai fait deux. Parce que tu savais que j'en ai ruiné un. Mardo ! Soit j'en ruine un, soit je me coupe un bout de doigt. Donc. Voilà, la barbitude. Donc pour faire ressortir les lettres, ce qui est sympa, c'est de mettre une peinture juste en façade. Comme sur la citrouille, là, on a une peinture que en façade et du coup, les découpes intérieures ressortent bien. Ah, tu me parlais d'un truc là, pour mettre dans une caisse ? Oui, alors... Dans une mallette de la mort. En fait, une application vachement intéressante de cette machine, c'est tout ce qui est protection... Protection d'une manière générale en polystyrène. Donc moi je fais un peu de modélisme. Et alors j'ai, comme beaucoup de modélistes, j'ai une valise pour ma radio. Monsieur Babozor pour. Tiens, je le mets dans mon mausolée de la grotte du Barbu. Voilà. Et donc pour l'instant elle est disponible toute faite sur minicut2d.com, mais elle sera. Pour le prix de 890 €. TTC. TTC, oui, tout compte. Enfin, c'est du hors taxe, mais la TVA, je la touche pas. Donc, c'est le prix à payer. Avec le port, par contre. Cool. Mais en même temps, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui la monte à la main. C'est pas Monsieur Shintok Ninja contre. C'est un artisan qui est moi, qui met tout son cœur, tout son savoir et toute sa compétence pour faire une machine fonctionnelle. Et pour répondre à toutes les questions et pour faire ça bien comme il faut et que ça soit carré, que ça marche. C'est moi qui ai fait le logiciel, c'est moi qui monte l'interface, c'est moi qui monte la machine. C'est toi qui visse les petits trucs et voilà, tout. C'est moi qui visse les petits trucs, qui colle les pièces en bois. C'est toi qui réponds aux mails. Et le mec qui découpe le contreplaqué au laser, c'est HPM Laser, il est en France, dans le Nord, il paye ses impôts lui aussi. Donc, ok, cool. C'est un produit franco-français. Eh bien. La France. Écoute, merci de ta venue. Hein. Bah écoute, merci de m'avoir accueilli, c'était très sympa. On va se jeter encore des fleurs. Bah ouais. Bien sûr, comme d'habitude, des questions, des insultes. Non, je pensais que c'était mon téléphone, mais c'est juste le bruit du c'est truc. La machine, ouais. Des questions, des insultes, bien sûr, il y a Gmail, il y a Twitter, la page Facebook où je vais jamais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le compte Google Plus. Vous pouvez nous filer du pognon en allant, en devenant un patron. Et puis voilà, c'est tout. On va essayer de faire plein de découpes rigolotes, maintenant qu'on a une machine avec un fil qui chauffe. Ouais.
Et puis, n'hésitez pas à aller. C'est quoi le nom de ton site déjà? Pour la machine, c'est minicut2d.com. Okay. Et puis, j'ai fait un et site. Et ta truc film machin là. J'ai filmshow.com voilà. aussi qui permet de montrer des exemples. De et de partager des trucs de design. Des réalisations, voilà. des découpes, des fichiers. De toute façon, on mettra les liens. Et puis, que la barbitude soit avec vous. Soit avec vous et avec moi. Non, mais avec eux, ça, particulièrement. Ouais.